Hello YouTube, c'est la 17ème VOD de FF14. On a fini la tour de cristal dans la VOD précédente. On a du coup continué un tout petit peu la quête principale et on en était là à devoir aller parler à Rabanne parce qu'il y avait eu des émeutes à Ulda, semblerait-il. Voilà, et Alfino a été un peu entraîné là-dedans aussi. Et du coup, on va parler à Rabanne. À Rabanne, je crois que c'est Rabanne qui disent. Aldin. On va parler à Aldin. Au moins, je sais le prononcer. T'as pas le temps de tailler une bavette, hein. On va avoir un petit bout de viande. Ah ouais, le Tanalan tout entier, donc c'est même pas juste Ulda, c'est toute la région, quoi. Ok. Tel Delbor. C'est les gilets jaunes, ça y est. Aïe. La figure rhétorique pour ce mot? Pour quel mot? Je vais t'aider si tu... Attends, y a mon chat qui miaule. Mon pauvre doudou. Hop. Alors, tu parles de quoi là? Tu parlais du jeu, mais non, du coup, non. C'est pas ça. Explique. J'ai dû rater un truc. Ouais, enfin les sondages. Très bien que les gens arrêtent de les écouter, les sondages. Alors, par principe, le sondage, c'est de la merde. Enfin, c'est représentatif de mes couilles, le sondage. Je comprends pas que les gens puissent donner de l'importance. Enfin, que les gens, de manière générale, si, parce que c'est la majorité des Français, manque un peu de. De l'esprit critique, on va dire, pour rester poli.
Après, le problème, c'est que c'est les gens qui s'en servent, quoi. Mais sans les sondages, ça ne sert à rien, vraiment. Les sondages, ça ne sert qu'aux personnes qui ont le pouvoir. Hein. Peu importe la forme de pouvoir. Vraiment, c'est une plaie incroyable, les sondages. Faudrait interdire les sondages. Ou alors obliger à écrire que ça ne représente absolument, que ça ne représente que ça ne, que ça, ah putain, ta mère, j'arrive plus à parler. Que ça n'est représentatif d'absolument rien. Et du coup, ça perd tout l'intérêt. Donc autant les interdire d'un coup, au moins c'est réglé. Des Vénusiens. Désespérance, où est-ce que c'est? Ok. Ah, je sais pas ce qu'ils foutent, mais... En tout cas, je sais qu'ils se foutent de notre gueule, ça je sais, mais... Mais à part ça, je sais pas ce qu'ils foutent. Hein. Moi, ce que j'ai vu par contre, c'est le RN qui, évidemment, aussitôt que ça s'est fini, ces histoires d'élection, a annoncé son alliance avec Viktor Orban au niveau de l'Union Européenne, quoi. Tiens, tiens, tiens! Ça attend la fin des élections où on n'arrête pas de dire qu'on n'est pas des, qu'ils sont pas d'extrême droite pour s'allier avec des partis d'extrême droite? Oh, bah tiens, tiens, tiens! Comme c'est bizarre! Moi, dis donc, personne n'avait vu venir celle-là! Aïe aïe aïe. Poil de fer dans la bouche, perc. Pas agréable. Le pauvre. Ça a l'air bien. Bah oui, c'est sûr que... C'est pas les CRS, hein. Les immortels, c'est pas les CRS, hein. En même temps, ils... les manifestants, ils viennent rarement attaquer les CRS avec des armes en même temps.
Comme si les manifestants se ramenaient avec des canettes Flick-Off maintenant, quoi. La révolution, quoi. C'est quoi la carte en bleu au-dessus là? Transmatérialise-moi. Assist d'us. Ils ont dit quoi avec Victor? Comment ça, ils ont dit quoi? Je répète ce que j'ai dit en fait, juste. En fait, Victor Orban, c'est un gros mec d'extrême droite dans son pays. C'est la merde là, dans son pays depuis qu'il est au pouvoir. Et le RN a attendu le dernier moment de la fin des législatives pour annoncer qu'ils étaient en alliance avec lui, quoi. Et bon, ça l'a fait mal quand tu essaies de diaboliser en tant que n'étant pas de l'extrême droite alors que tu t'allies avec des mecs de l'extrême droite, tu vois. Bizarrement, ça le fait pas trop. Rukira. Ah oui, non, mais le mot, je l'ai pas non plus. Je ferais pas t'aider là-dessus. Mais ce serait quoi la figure de style en elle-même? Enfin, comment tu l'utilises? C'est donner l'impression qu'il y a un choix qui a été fait, enfin qu'il y a plus de choix, c'est ça? Bah écoute Kira, si t'aimes pas entendre parler de politique, faut pas venir sur la chaîne, hein. On en parle assez souvent, hein. En fait, en général, dès qu'il y a Zazu, on parle de politique. Quoi. Enfin, pas tout le temps, mais souvent, ça vient sur la table, quoi. Ouais, quand tu donnes l'illusion qu'il n'y a pas de choix, alors qu'il n'y a aucun choix qui a été fait encore. Non, non, mais je t'explique juste. Que si vraiment la politique, c'est un sujet qui te dérange ou quoi, faut peut-être mieux ne pas venir, quoi. Après, ça te dérange pas, tant mieux, hein. Toujours bien de parler avec des gens de ça. Hein. Surtout des jeunes en plus. Oui, c'est sûr que l'importance du sujet a quelque peu changé, ça, on est bien d'accord. Bon, à ton âge, c'est normal, hein. Moi ça m'intéressait pas non plus le jeu là. Hein. Je vais vous botter le cul. Toute coiffure gominée. Petite moustache bien taillée. Et voilà, c'est fait. Le guide parfait du bon petit nazi. Mind brushing. Je sais pas comment on dit brushing, ça doit être brushing aussi, j'imagine, vu que c'est un mot anglais à la base. Après, il serait capable d'avoir un mot rien pour ça d'ailleurs, mais. Mais soit. Bah alors, on est nul?
Bon, on les a dissuadés de se fight avec les immortels, c'est déjà bien. Ah, Kira qui ressort la blague usée et surusée de la blague sur le Führer. Allez, on t'en tient par rigueur. Je suis curieux de voir comment on dit brushing en anglais, en allemand du coup. Macron gagne dans cette défaite, comment ça? Par rapport à quoi? C'est vrai que j'ai pas suivi ce qui s'est passé dans les deux derniers jours là. Lundi, mardi, j'ai pas trop regardé ce qui se passait. Faudrait d'ailleurs. Alors un brushing. Ah mais oui mais ça il va mettre le verbe. Oui c'est le verbe là, il met le verbe, faut que je mette en français je pense. Brushing, voilà. Le brushing en allemand. Brushing cheveux. Non mais ça c'est... Oh mais ça il l'avait déjà fait avant la fin des législatives, il est alors en mode « Oui alors je disais que NFP c'était les vilains aussi, mais du coup c'est quand même mieux si vous votez NFP que RN contre moi quand même. » Déjà avant le deuxième tour il était comme ça, donc bon, ça a pas bougé. En même temps il a beau être con, il est pas complètement stupide non plus. Brushing. Ah, si j'ai écrit, elle s'est fait un brushing. Oh mais je sais plus écrire bordel. Elle s'est fait un brushing. The ad gefunt. Comment ça gefunt? Ça se dit ça? Elle s'est... Non mais celle-là elle s'est écrit, elle s'est coiffée. Ouais bon tant pis, ça a l'air chiant. Parce que le problème c'est que brushing c'est un mot en anglais à la base et du coup ça fait de la merde. En bref, le délire McKinsey, c'est comme quelque chose, hein. Alors à quel moment ça passe quoi, non mais vraiment. C'est tellement énorme comme truc, enfin vraiment. Je comprends pas comment ça fait pas plus scandale que ça quoi, vraiment. Ça me trouve le cul d'une puissance. Les mecs sont payés une fortune pour rien branler, enfin vraiment c'est dingue hein. Et après on vient de nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour les retraites, pour la sécu, pour les hôpitaux. Comme le comble. Hein. C'est une avance de... Comment ils appellent ça déjà? C'est une avance de quoi déjà? Comment c'est déjà le terme? C'est une agence de... De conseil? Une avance de conseil. Bon, en gros, c'est une boîte qui est aux States, que... Agence de conseil, c'est ça, hein, ouais, voilà. C'est une agence de conseil aux States que Macron paye grassement pour lui donner des conseils à la con. Après, si tu veux plus de détails, va, je recherche sur Internet, t'as pas mal d'articles pour te renseigner sur le sujet, si t'es curieux. Et voilà, en gros, c'est Macron qui dépense l'argent du contribuable pour qu'on lui donne des conseils à la con qui viennent des États-Unis, voilà. Voilà, voilà. C'est incroyable.
Attends, de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Balance les infos, Zazu, là, il me manque des infos à moi, là. Je parle de trucs, et j'ai l'impression qu'il me manque plein d'infos, là. Ce serait pas lui par hasard. Non, mais t'as utilisé Google Traduction, c'est pas ça. Burton, c'est juste brosser. Ça veut juste dire brosser. En fait, c'est juste le traducteur, il prend le mot anglais brushing, qui veut dire à la base être en train de brosser. Et du coup, il le traduit en donc c'est Burston. Burston. C'est pas la traduction correcte. C'est pas ce que les Allemands utilisent pour dire brushing. Bah techniquement non, le changement de Premier ministre n'est pas obligatoire. C'est une tradition qui a été respectée tout le long de la 5ème République, mais c'est pas obligatoire. Il n'y a pas obligation de changer de Premier ministre après une dissolution, même s'il y a cohabitation, enfin, pas cohabitation, mais même si le parti présidentiel n'est pas majoritaire. Donc il se fout quand même de notre gueule, mais techniquement il n'y avait rien qui l'y obligeait. Donc, en même temps, s'il y avait quelque chose qui l'y obligeait, il n'aurait pas le choix. Mais est-ce que c'est vraiment surprenant? Moi, la question que j'ai... Non mais Gabriel Attal, il veut pas démissionner, hein. Il faisait juste le mec humble en mode « Ah bah moi, s'il faut, je démissionne », mais il a absolument pas envie de démissionner. C'est juste de l'image. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Et ma question c'était par contre, moi j'aurais été très curieux d'être dans une dimension parallèle pour voir si, si le FN passait en majorité, est-ce qu'il foutait Bardella Premier ministre? Tiens, hein, parce que là. Je pense que ça aurait été le cas. Et c'est là que vraiment là il se fout de notre gueule quoi. Vas-y. D'autres pigeons, tu vas te prendre mon pied au cul, toi, trop de cul, là. Et je suis énervé. Tu vas te prendre mon katana dans le fion. Ah mais il y a un gros arbre là-bas. Qu'est-ce que c'est que ce gros arbre? L'arbre du sultan. Il y a même un blaze. Sacré d'un arbre. Bah c'est pas plus impossible qu'autre chose en fait. C'est pas plus impossible que la situation actuelle. Hein. C'est juste que Macron n'en fait qu'à sa tête pour changer. Hein. Il se prend vraiment pour un roi, c'est affligeant. Ah mais il aurait carrément mis Bardella. Et c'est là qu'il se fout vraiment de notre gueule quoi. Parce que alors qu'il faudrait pas le mettre, il l'aurait mis. Et là, c'est la gauche, du coup, il est en mode non, bah non. Attal, il est bien là. Hein. On va le laisser là. Il est gentil, Attal. Trop du cul.
Mais en tous les cas, si, même si le RN passait pas majoritaire, il aurait mis Bardella en ministre, tu vois, c'est ça qui est... C'est là qu'il se fout vraiment de notre gueule. Après, tu dis il a réussi à diviser les votes, mais c'est moins lui que, que les médias et la presse de manière générale. Hein. Lui, il a pas fait grand chose au final. Hein. À part dire dissolution, au final, il a pas fait grand chose lui. Hein. Après, il y a aussi tout le contexte général, si tu prends sur les 7 dernières années, où là, tu peux dire qu'il a eu un rôle, effectivement. Mais au final, son rôle est tellement minoritaire que... Toute cette campagne de désinformation, de diffamation et de propagande pour le RN et contre tout le reste, enfin vraiment... C'est surtout ça qu'a fait la situation dans laquelle on est. Hein. Plus tout le contexte passé, évidemment, ça, c'est pas, c'est, tu peux pas l'exclure. Mais c'est ça qui a donné les résultats qu'on a eu là, quoi. Il va se faire buter. Ah, le Bolloré, si on pouvait le pendre par les couilles, ce connard, serait quand même quelque chose. Hein. Récupérer toute sa thune en passant aussi. Je le répète, Kira, mais on est sur un MMO, vu la quantité de dialogue, c'est impossible de, en termes de moyens de tout doubler. Hein. Surtout qu'il faut prendre en compte qu'il y a plusieurs langues à doubler. Donc vraiment, même s'il n'y avait qu'une seule langue, ce serait déjà très cher, mais alors avec plusieurs langues, c'est l'enfer. Hein. Oublier C8. Ah ouais, non, mais je vois sur Twitter, hein, t'inquiète pas, j'ai des extraits sur Twitter, je vois, c'est dingue. Même à l'époque, au moment de la dissolution, quand il y a eu l'union de la gauche, je peux te dire qu'ils faisaient des tronches, ils étaient vénères comme je sais pas quoi, ils étaient tout rouges, les cons. Enfin, vraiment... Ils ont tellement peur qu'on vienne leur piquer leur petite tutune... durement gagné. Non mais à la limite, ce qu'il faudrait, c'est juste doubler toute l'histoire principale en fait. Du jeu de base et des extensions, et laisser le reste non doublé, mais... Quand bien même, ça resterait énormément de texte à doubler, et c'est beaucoup trop cher. Et encore, s'ils rigolaient, c'est même pas qu'ils rigolent, c'est qu'ils s'énervent et qu'ils deviennent agressifs, quoi.
On est sur une agressivité constante et c'est affligeant quoi. À la limite, ils rigoleraient, bon bah manque de respect, mais ok. Non, le pire c'est qu'ils sont agressifs quoi. Autant dans la façon dont ils s'expriment que dans ce qu'ils disent. Comment ça? De quelle façon? Détaille ton propos. Il nous met un peu dans le flou là. Bon, par défaut, je les respecte en tant que gens. Après, en tant qu'électeur RN, je ne les respecte pas, mais... D'aucune façon, leur choix est... Bah, irrespectable. Vous comprenez qu'il est irrespectueux lui-même. Encore irrespectueux, c'est gentil. Ah, tu veux, tu les respectes dans le sens où... Où ils ont réussi à monter un truc tellement gros que maintenant... tu respectes le... Enfin... Enfin, oui, c'est plus une sorte d'admiration au final sur leur habileté à être des salopards en essayant de se dédiaboliser et en attirant les gens dessus, quoi. Loi de Brandolini, ça me dit rien. C'est un truc de psychologie, j'imagine. Et voilà, ouais. C'est ça. Plus facile de débiter des conneries que de les démonter. À point que les religions marchent aussi bien. Je suis désolé, on en revient toujours à ça. Avec les théories du complot marchent très bien aussi. Parce que pour dire que la Terre est plate, bah ça prend trois mots. Pour réfuter que la Terre est plate, bah va falloir faire des exposés de physique et de physique quoi. C'est... Et t'as pas le temps pour ces conneries. C'est... Bah en France ça va. En France pas spécialement. Dans d'autres pays comme les États-Unis, ouais. Ou d'autres pays beaucoup plus religieux, mais en France non ça va. En France quand on parle de religion dans le cadre de la politique, en général c'est juste pour dire que les musulmans sont pas gentils. Globalement, tout ce qu'on fait. Malheureusement. Et crier une menace contre l'athéisme aussi. Ou le... Non, pas l'athéisme, le... La laïcité. Ouais, voilà. Le seul moment où on parle de religion dans notre politique, c'est pour dire qu'il faut bannir la baïa alors qu'on en a rien à foutre. Aïe aïe aïe. Et enlever la viande halal, exactement.
et Kacher si on écoute Monsieur Bardella. Aïe aïe aïe.様々だから話すのだ。他言無用で頼むぞ。先のドマ難民の受け入れ拒否が決定したことに対し、金手から不信感を抱いていた難民のうち、零細難民の一部が反発。アラミゴ系難民の急進派と一党を組み、王家への抗議活動が行われた。 Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre ton message, Kira, mais non, la viande cachère, c'est l'équivalent du halal, mais pour les juifs. Et on n'a pas d'équivalent pour les chrétiens. Et on n'a pas de traitement particulier pour la viande. En tout cas, les catholiques et les protestants. Après les autres, je sais pas. Tokoroga, aru jiken o kikkake ni boudou e to kyuten suru. Pourrait faire un effort sur les textures quand même par moment. Hein. Là, le col de son pull, il est cranté comme jamais. Hein. Je pense pas que ce soit dans le design de base. Je pense que c'est juste du crayon lave dégueulasse. Ah, ah peut-être, oui. Je sais pas, je suis pas spécialiste de la culture gastronomique musulmane.抗議に集まっていた非武装の難民に矢を射たのじゃ。これに激高した難民たちは暴徒と化した。この事件が暴動の発端となったのじゃ。初動調査ではあくまで事故だった。しかし事の発端となった衛兵が不審な動きを見せたため我ら不滅隊が奴を捕獲して尋問したところ。 サカツ州のテレジアデレジの息がかかった商人から金を掴まされていたことが判明したのだ。テレジアデレジだと。彼はドマ難民の問題の際には受け入れに賛成するそぶり。Parce que c'est une sombre merde. なぜそのようなこと。 Un gros fils de chien. Une raclure de pidé. フロンティア計画という名に聞き覚えはあるか。現在、いずれの都市にも領有されておらず、北ザナラーンに隣接する地、カルテノー平原。あの地を開拓し、植民都市を築くという計画だ。しかし、あの地は現在。 そうだ。アウトロー戦区として戦場になっている。カルテノー平原。忘れもしない。第七零歳の中心地だ。同地は零歳後に大規模な調査が行われていたのだが。 そこには元より地中に眠っていたと思われる古代アラグ文明の遺跡があらわになっていたのだ。そして現在のカルテノー平原は遺跡の保有権をめぐり三都市が対峙している場所となっている。エオルゼア都市軍事同盟はこの争いを亀裂とせぬために彼の地で起こった対立の一切を 外に持ち出さないという協定を結んだ。これがアウトロー戦区と呼ばれるゆえんだ。戦場となっているカルテノー平原への植民
この無謀なフロンティア計画の出資者こそ九段のテレジアデルジ。奴は同地の状況を知る立場でありながらこの計画を発表した。Il fait un gros coup de pied dans ses couilles, celui-là, en fait. Hein. 計画で集めた多くの難民を引き連れ、彼らを人の盾として、各国の軍勢の間に入り込むつもりだ。遺跡を独占するために。Ah, mais une enflure, ce type. テレジア・デレジメ。フロンティア計画は、いわば、ウルダハが領土拡大を宣言したことと同じぞ。我々王党派との調整どころか、共和派、サカツ州の中でも統率は取れていないでしょう。かん。さっきの暴動騒ぎも、難民たちにウルダハでの暮らしを諦めさせるための仕掛け。ドマの民に理解の立場を示していたのも、難民からの支持を得るための見せかけだったに違いない。しかし、なぜテレジア・デレジはそこまでカルテノーの遺跡にこだわる？オメガ。オメガ？遺跡の調査中に発見された異形の怪物。我々はこれをオメガと呼称している。あまりに巨大なため、現在も地中に埋もれたままだがな。Ouais, je te confirme que c'est, ça vient pas de chez moi. 遺跡に記された古代アラグ文字を解読したところ、オメガはバハムートを捕らえし者と示されていた。先のカルテノーの戦いの折、ガレマール帝国の将軍、ネール・ヴァンダーナスは、衛星ダラガブの落下地点をカルテノーの地とした。我々は奴が対バハムート兵器とも呼ぶべきオメガを完全破壊するためだったのではないかと睨んでいる。対バハムート兵器、まさか対万神兵器というのか、あのアルテマウェポンのような。オメガ、c'est pas demain qu'on la verra。信じていたわけではなかった。しかし、ガイウスのアルテマウェポンを見たとき、思い直したのだ。オメガは本物だと。Tu me rappelles bien, Omega, c'est Stormblood, donc c'est la deuxième extension. 幸いなことに、現在オメガは、まさに化石のごとく沈黙しておる。だ、イニシエの万神、バハムートを撃つという力。そのような強大な力を秘めた古代兵器をもしも手に入れることができたなら。Moi, ce qui me perturbe toujours, c'est qu'ils considèrent Bahamut comme un primordial alors que c'en est pas un. テレジア・デレジの狙いはオメガの確保。そしてそれを武器にウルダハ。はい、や。エオルゼア全土における発言権を確保するつもりだろう。くだらぬ話じゃ。ロロリトと対峙して、サカツ州をまとめることもできぬような男に、エオルゼアを牛耳れるものか。だからこそ危険なのです。自分の限界を知るからこそ、外に力を求める。決して油断はできませんぞ。ネズミじゃ放っておけ。どうせ今のウルダハに機密はなきに等しい。いずれにせよ、難民問題には注意しておくべきだろう。これはウルダハだけの問題ではないのだから。Ah, ça vient pas de mon côté, hein. Chez moi j'ai 0 frame qui drop côté network, donc désolé pour toi, mais je peux vraiment rien y faire.
Oh, mollo les soldats, c'est une gamine. Des sacrés trous de cul, vous aussi, hein. Oh, gentil avec Alfino, hein. Attention, hein. Mais qu'est-ce qu'il fait de spécial? Enfin, on va voir Ramu, du coup, là. Bon, un nouveau primordial dans la forêt de sombre linceul, c'est forcément Ramu. Aïe, aïe, aïe. Un personnage très important dans l'histoire, Alfino. On va beaucoup plus le voir à l'avenir. Eh si, il a une place de premier choix durant la première extension. Un peu moins pendant la deuxième. Il reprend une place assez importante de mémoire dans la troisième, mais moins aussi que dans la première. Et dans la quatrième, il est aussi très important. La cinquième, je sais pas, parce que je l'ai pas fait. Vu que c'est celle qui vient de sortir. C'est un très bon personnage qui va beaucoup évoluer avec le temps. Ta sœur jumelle, de mémoire, elle commence à intervenir vraiment que dans la troisième. Avant ça, on la voit très peu. Quasiment pas, à vrai dire, en fait. Bah avec sa connexion de merde, c'est pas évident. Change de fournisseur internet. Thank you.
Orange ou bleu? Comment ça bleu? Ah, j'ai envie de dire oui et non. Non dans le sens où elle est clairement plus forte. Mais en même temps oui, parce que Caria, au moment où tu la bats à Caria, t'es plus ou moins quand même globalement au début de ton aventure. En tout cas sur la partie début de l'aventure. Alors que quand tu bats la Loretta de l'arbre, bah t'as quasiment fini le jeu, donc t'as beaucoup plus d'expérience dans les pattes. Donc c'est normal qu'elle semble moins dure. Donc bon, t'as les deux facteurs qui jouent. On a combien de devises de l'autre truc là? 5000. Ah bon, on a de quoi monter de rang normalement du coup. Il est sur Play 5. Il en faut tellement plus à chaque fois. Aïe aïe aïe. Mais bon, au moins on est passé au rang supérieur. Ça fait zizir. Tadadam. Tadadam. ようこそいらっしゃいました。お話というのはシルフ族の件なのです。Parle de qui? De mon perso? Non, mon perso il a toujours autant de vêtements sur le cul, hein, ça n'a pas bougé, hein.
少し前の出来事でした。私は森の大精霊の声を聞いたのです。そしてつい宣告のこと、カリア。この者によれば、カリアドのシルフたちもまたラムーちゃま、ラムーの権限を感じたとのこと。詳細は不明ですが、おそらくシルフ領の奥地にてすでに万神ラムーは神下ろしされているでしょう。Un bon bout à faire encore du coup. 万神ラムーは守護と朝廷を司る賢き神。こちらが彼の意志に背くことをしなければ、シルフ族と同様に対話が成立するはずなのです。超える力を持つあなたならば、きっと心を通わせることができるでしょう。人にとってもシルフ族にとっても、おそらくはラムーにとっても、これ以上この森を乱したくない思いは同じはず。そして何より私たちグリダニアの民はシルフ族と森との調和、共存を望んでいるのです。À part te dire de bien esquiver ses attaques et d'utiliser l'arme contre le serpent là, à deux mains. De l'utiliser à deux mains et d'utiliser l'attaque de mana aussi avec dessus. Pas trop quoi te dire pour t'aider, hein. De bien charger les attaques aussi. Ah, mais si tu cherches la merde aussi, si je te dise. Tu peux pas t'approcher du boss, il a une mare de lave au bout des pieds. Enfin, le boss n'est pas pensé pour être battu autrement qu'avec la lance, donc. Ah! On sait jamais, hein, des gens un peu bornés qui font des conneries, il y en a plein. Kono kaze wa kokue no mori dake dewa nai. Eolzea zendo ni nagareru kaze ni kanjiru no desu. Non mais ouais, prends l'arme à deux mains, upgrade l'arme à la limite aussi, hein. Hésite pas à l'upgrade, hein, même si tu vas juste l'utiliser contre ce boss là, hésite pas à aller l'upgrade à la table ronde. Talisman à deux mains. Une guilde. Non mais il a fumé Zazu. Une guilde. Ils appellent ça une guilde. Il y a un talisman à deux mains dans le DLC. Je me rappelle pas. En même temps, je joue très rarement une arme à deux mains. La maison, oh non, le housing, c'est vraiment de la merde, peu importe le jeu. Si le housing n'est pas le but du jeu, alors le housing ne sert à rien. Tout simplement. Ouais, j'ai bien compris, ouais. Oh bah ça doit être un gouffre à thunes, voire à ressources aussi. Peut-être faire de l'artisanat pour ça aussi, je sais pas. Enfin bref.
peut être l'enfer. Le pavois draconique, bah, il est pas Farumazula. Il est pas Farumazula le pavois draconique. Ouais, sinon Goof Extra Life hein, pour regarder hein. Ah, va battre le géant de feu et va faire Farumazula, que je te dis. Talisman d'Alexander, lequel? Celui qui augmente les dégâts des cendres là? C'est de ça que tu parles? Ouais, le fragment de peau. Pas du tout le genre de truc que j'utilise perso, mais ouais, pourquoi pas. Par contre, le pavois draconique, effectivement, c'est un must-have. Hein. Sinon, le talisman de la tortue aussi, il est sensif. Enfin, il est. Toujours mêlé et c'est le cas, il est essentiel aussi. Surtout qu'il y a la version 2 dans le DLC, je peux voler, mais il y a la version 2 dans le DLC. Et ben voilà, nickel. De la solitude, en vrai, il est pas si dur que ça, il fait juste très mal. Surtout quand tu le fais au tout début du DLC, quand t'arrives. Mais il est pas si dur que ça, en soi. Et c'est vrai qu'il a un bon moveset. Tellement stylé, Ramu. Grid
調和を望んでおるというのか。人とは格も身勝手なものか、まっこと愚かじゃ。お主にこの者たちの願いがわかるか。ただこの森で静かに暮らしたいだけなのじゃ。シルフ族がわしを招いたのはその願いを叶えるため。そこまで追い込んだのは貴様ら人の仕業なのじゃぞ。シルフ族にとって人は人、たとえグリダニアの民が自然との調和を重んじようと、一方で帝国の民は森を犯し続ける。結果的に人は森に汚れと争いを持ち込むだけじゃ。全ては人が闇を抱える存在だからに。La barbe et sa moustache. そもそも人はいつから闇を抱えるようになった。資源の時、そこには光も闇もなかった。まさか人が人たるために生まれたというのか。ならば人がいる限り、この世から汚れと争いがなくならぬ道理をな。なぜなら人が生きるために必要なことだからじゃ。光のものよ、それでも貴様は人として調和の道を歩むというのか。おお、それは聖域を去った子らに渡したクリスタル。なるほど、お主はわしの知った人とは随分異なる存在のようだ。これは光の人だからではない。何か得意な。そうか、もしあやつになら。よかろう、ならばわしに示せ貴様の力を。人がシルフ族や森との調和を望むというのなら、この森から帝国を排除するほどの力を、世から闇を取り払うほどの力をわしに示してみせよ。それができぬというのなら、この雷神ラムーが地表の全ての人に裁きの雷を落とすまでじゃ。光の者よ、裁きの地にて貴様を待っておるぞ。珍しいわね、あなたがこんなところまで出てくるなんて。万神ラムー、私もこの目で見るのは初めてです。これ どうしても調べたいことがあるのです。この機械仕掛けの眼を通し雷神狩りを拝見させていただきましょう。Alors qu'en plus, Urien V, il est tellement stylé. Là, il a encore sa tenue toute cachée. Je crois qu'on le voit. Je crois qu'il change seulement de tenue dans la troisième extension, si je me rappelle bien. Jusque-là, on le voit toujours avec sa tenue à la con, là. Alors qu'il est tellement stylé, en plus. Il a un swag de ouf. Optique 2000. Enfin, je suis aucun des deux, donc c'est réglé.
Gunnar. C'est Gunnar. De quoi? Bail, ouais, je l'ai battu Bail, t'étais là d'ailleurs. Je me rappelle bien. Non, non, moi j'ai juste des lunettes normales. Avec une option filtre bleu, oui. Mais c'est des lunettes classiques, hein. C'est juste une option filtre bleu sur le vert, mais c'est tout. Ah, la P2 elle est tellement stylée. Ah, moi je l'ai pas fait en solo le boss. Moi j'ai invoqué ma mimique, ma larme imitatrice, et puis j'ai invoqué le PNJ qui est dans la zone aussi, la Igon. Et je sais, hein. Il y a assez peu de chances que tu m'apprennes quoi que ce soit niveau lore, hein. Je te préviens tout de suite. D'où il esquive tout, ce con, là? Ton katana dans le fondement, tu vas comprendre, hein. Il y a des quêtes qui sont niquées, ne serait-ce que par le moment où la rune de Mikaela se casse déjà. Celle de Moore, je suppose que tu voulais dire. Et de Thiolier. Pourquoi Thiolier? Bah, si tu fais pas gaffe à Leda, effectivement, elle veut buter Moore, Thiolier et le Hansent. Enfin, le comment on appelle ça en français, le Karastien, je crois. La vie où tu lui montres le masque du lion, et bah qu'est-ce qu'il y a? Elle meurt pas, hein. Elle est juste en PLS, mais elle meurt pas. Yep, ouais, c'est une espèce de fiole de poison, je crois, de mémoire. Non, bah moi j'ai fait sa quête, donc oui, je vois très bien ce qu'il faut faire. Bon, elle a apparemment de quête, la vieille, hein. Faut juste lui parler en ayant le casque sur la tronche, elle va te donner un truc de scorpion, avec un sort. Et plus tard, quand tu reviens la voir, elle te donne un plat de scorpion amélioré, mais...
Il n'y a rien de particulier à faire avec elle en vrai. Hein. Pas que je sache en tout cas. Ouais, mais t'as rien raté. Et puis si tu la butes, elle te donne le repas de base et le sort. Hein. Oh, Gaius, il est insupportable. C'est une vraie saloperie, ce boss. Quand tu dis Santrina, tu parles du chevalier, le putrescent knight. Ah ouais. Il est pas très dur lui en vrai. Hein. Le plus chiant c'est ces zones d'effet, ces anneaux de feu là qui te congèlent. Sinon en soi il est pas vraiment très dur. Hein. C'est un bon boss par contre. Petit cœur. Je vais décaler un peu pas. Regarde-moi ça. Je sais plus où on la récupère son épée. Ah peut-être, ouais, c'est possible. Je sais plus du tout où est-ce qu'on l'a récupéré. Ok, là on est bloqué parce qu'on peut pas aller à Ishgard. Pour finir la quête de niveau 56 de samouraï. Ok. Les dragons? Bon, ils sont aux F les dragons. Ils ont beaucoup de vie, mais ils sont aux F. Hein. Leurs patterns, ils sont basiques. Ouais, ils ont beaucoup de vie, ouais. C'est vrai qu'une arme avec du saignement, c'est bien. Tu fais fondre cette vilaine vie rapidement et on n'en parle plus.
Ah, lui, il peut... Pardon, lui, il peut être chiant un peu. Mais ça va, en vrai. Alors, regardons un peu les skills du mage rouge en attendant qu'on trouve un groupe. Donc, riposte. Qui devient riposte enchantée si la jauge de mana noire et mana blanche sont supérieures ou égales à 20. Wer Shao. Attaque physique. Combo avec riposte et riposte enchantée. Si mana noire et mana blanche supérieure ou égale à 15, Wer Shao enchantée, ok. Son armure et son katana sont très bien. Le problème c'est que... En fait, l'armure et le katana... augmente les dégâts que tu fais. Mais augmente de ouf les dégâts que tu prends en fait. Du coup c'est un peu le stuff du skill quoi. Redoublement qui combo avec Sphère Shao, ok. Donc il y a le délire que ça devient enchanté aussi si on a plus de mana noire et mana blanche, ok. Non, faut juste être skillé quoi. Avoir du skill. Alors, à coup, effectue une attaque magique neutre sur la cible. Remplis la mana noire et la mana blanche de 2. Ouais. Vers foudre. Mana noire de 6, puissance 300. Chance que vers feu préparé vous soit octroyé, ouais. Vers vent, remplis la mana blanche de 6. 50% de chance que le verteur soit préparé, ok. Éparpillement, attaque magique de zone, du coup, sur la cible des ennemis alentours. Puissance avec accélération. Remplis mana noire et blanche. Ok. Extra vers foudre, c'est aussi attaque de zone. Extra vers vent, c'est la même. Vers feu, attaque magique de feu. Remplis la magie noire, ouais. Faut avoir vers feu préparé. Vers terre, faut avoir vers terre préparé, évidemment. Terre qui augmente la mana blanche aussi, ok. Vers soin, pour l'instant, je l'ai pas, donc on s'en fout. Corps à corps, vous rapproche de la cible et effectue une attaque physique sur elle, ok. Donc c'est un skill de déplacement, ça peut être sympa. Ça nous fait sauter, donc c'est un truc d'esquive plutôt, ça. Partage le même temps de recharge qu'engagement. Engagement qui fait quoi? C'est juste une attaque physique. Ouais, ok, on s'en fout du coup, non? Flèche, attaque physique sur la cible, avec une grosse portée et des gros dégâts, ok. Accélération, donc le fameux sort qui booste je sais plus lequel. Ça permet de lancer automatiquement un verre ou éparpillement sans temps de cast. Ça augmente de 50 la puissance d'éparpillement. Et ça garantit l'octroiement du verre feu préparé ou du verre terre préparé, ok. Le reste on s'en fout, on l'a pas. Ça c'est le truc enchanté, ok. Bon, en vrai, ça a pas l'air si compliqué que ça là quand on regarde. Alors attendez. Ça, c'est le skill de base, la riposte. Ensuite, on a le corps à corps qui permet de se rapprocher. On a la coup qui augmente la mana noire et la mana blanche. On a le ver foudre. Embrouillement. Alors ça, c'est les trucs dont on se fout globalement. Ça, on le fout là. Sommeil, on s'en bat les couilles. Magie prompte, on le fout là. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Le ver foudre. Le ver foudre de zone. Le ver vent. Le ver vent de zone. Éparpillement. Ça, ça dégage aussi. Ça, ça va là.
Ça se combine avec Zerchuao. Il est où le Zerchuao? Il est là le Zerchuao. Ça se recharge vite ça, hein. Ce serait plutôt là ça. Et redoublement qui combine avec Zerchuao aussi. Zerchuao, ou je sais pas comment on dit. M'en fous. On va plutôt mettre ça là du coup comme ça. Déplacement là. Engagement, on s'en fout un petit peu, je pense honnêtement. Flèche, c'est très puissant. Stoïcisme. Ah, c'est pas mal ça aussi. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut foutre toutes les attaques de zone au même endroit. Merde, faut que je change de... Ah, ta mère! Personnage, faut que je reprenne ma classe de base. Hop, samouraï. C'est parti pour Ramu. Continuera à bidouiller le mage rouge après. Petit début de papa. Mmh, oui. Oh, la musique de Ramu, c'est vrai qu'elle est incroyable. Je pourrais l'écouter en boucle, ce morceau. En l'occurrence, t'en aurais pas besoin, hein, mais... Kira qui joue la provocation. Comment ça se voit-il réagir? Langue de caméra, ça. Je pense. C'est bon, tu connais ça mieux que moi, les langues de caméra. Mortel là ou je rêve? Ah ouais, il est costaud le vieux.
Oh, le jeu de mots, ouais. Oh, le jeu de mots. Ah bah, avec une blague pareille, effectivement, on est sur une, enfin, on est sur une fermeture de rideau, ouais. Tu trouves qu'elle est pas assez forte ou qu'elle est trop forte? Parce qu'en l'occurrence, elle est bien camouflée par les sound effects. Hein. Elle est trop forte. Alors, c'est pas la musique qui fait le plus de bruit, hein. C'est vraiment les effets sonores. Alors que pourtant, dans le mix du jeu, j'ai vraiment mis la musique bien plus fort que les sound effects, mais bon. Je pense que je vais rebaisser les sound effects. J'ai pas eu l'impression qu'il y a eu un ducking sur les ondes FX, hein. Sur les FX, hein. C'est juste qu'ils sont super forts de base, quoi. Baisser les siens en vrai. Hop. Voilà. Comme ça, les effets de manière globale sont moins forts. Oui, j'avais bien compris. J'avais bien compris ce que tu voulais dire, mais j'ai pas eu l'impression que tu en avais un.光の呪いを人が抱えし闇は全ては人がまいたものならばその力をこの森のためエオルゼアのために利用して見せよ得意な存在であるお主ならばそれも叶おう光によって闇を払い人を正しき方向へ導くことが。さすがは光の戦士。万神ラムーの討伐、見事です。Oui, par contre, oui, il y a évidemment un duck du son du jeu de manière globale par rapport à ma voix, oui.Pour que vous m'entendiez même quand le jeu est fort. Watashi mo anata no tatakai o haiken shite tadori tsukimashita yo. Mazu wa modorimashou. Nochihodo ishi no ie ni te houkoku itashimasu.Il a tellement un style négatif pour l'instant, alors qu'il sera tellement stylé plus tard. Il y a eu une animation bizarre sur mon perso pendant un moment. Tu nous abandonnes, hein. Je suis tristesse.
Bah écoute, repose-toi bien. T'as pas encore dormi, sinon bah bonne journée. Bonne nuit, bonne journée, selon ce qui correspond.冒険者殿、ご苦労様でした。先ほど、総社島の者より報告を受けたところです。結果的に、蛮神ラムーと刃を交えることになったとか。ラムーがそんなことを、人が持つ闇が、新たな問題を生む。確かに、そうなのかもしれません。 カルテノ平原のアウトロー戦区、そしてウルダハを発端にエオルゼア全土に広がりを見せている難民問題。 Ouais, bah, je verrai bien sur Twitter. À la fin du live, j'irai jeter un œil pour voir ce qu'il se dit.先の帝国との戦い以降、エオルゼアは統一どころか以前にも増して人の闇が表面化し、争い事が増えているように感じます。第七霊祭の復興が一段落し、人々は共通した目標を失いつつあるのです。 だからこそ、人々の意志を一つにし、神聖したエオルゼアを生きていく必要がある。グランドカンパニーエオルゼア、人と人とは分かり合うことはできないのでしょうか。今回の件、 グリダニアを代表して礼をします。あなたや暁の方々には迷惑をかけてばかりですね。蛮神ラムーが収まったというのに、森に流れる嫌な風が消えないなんて。 森の精霊たちよ、この地に何が起ころうとしているのです。
Hop, on peut virer celui-là. On pourrait en mettre un autre à la place. Qu'il est con celui-là. Hop. Alors non. Ah oui. J'espère qu'on ait le temps de mater la cinématique quand même. Je crois que ça va être la première fois qu'on va avoir un certain PNJ. Peut-être pas encore, mais dans pas longtemps, je pense. アシエンは不滅の存在、つまり不死であることが分かりました。あれから私とウリエンジェさんはアシエンを完全に消滅させる方法を探していたの。 影を狩る手がかりを掴んだのです。先の晩神リヴァイアさんとの戦いで、サハ銀族の長老が見せた不滅なるものへの消化、その際のエーテルの流れを測定していたヤシュトラ城の測定結果を確認いたしました。あの時、肌に感じるくらいエーテルが震えていたわ。 だから、とっさに測定器をつけて調べていたのよ。そして今回、私は万神ラムートの戦いを拝見いたしました。万神が散る際のエーテルの流れについて再確認していたのです。いい機会だわ。エーテルの流れをおさらいしましょう。 私たちが生きている物質界で生命が死ぬと、通常その魂である これぞ神々が定めた命の理。エーテルに満ちた聖界はこの世と重なり合い、寄り添う世界。エーテルは巡り、命もまた巡る。だけど万神は例外。地に満ちたエーテルである クリスタルを喰らう万神は、その肉体までもがエーテルで構成されている。だから、倒すことで肉体は砕け、そのエーテルは大地へと還元されていく。それでも、魂だけはエーテル界に帰ると考えられている。 神の魂を聖界より招き、クリスタルが神の肉体を作る。だけど、不滅なるものはどちらの霊にも当てはまらない。確かに、サハ銀族の長老が提督に撃たれた時、
一塊のエーテル界が漂い、別のサハ銀族に乗り移るのを確認したわ。肉の体持ちて、死して知らぬ魂を持つ者。なるほど、それが不滅なる者。サハ銀族の長老のやったことか。では、器がそばにない場合、エーテル界に帰るということは死を意味するわ。だから、不死である彼らの魂は、エーテル界に帰っていないと考えられます。彼らは逃避する。暗き輝きの道を開きて、聖界の渚へ。そう、つまりは物質界とエーテル界の狭間のような場所に退避しているのではないかということね。ウォームセス。アシエンたちは闇のクリスタルを触媒にサンクレットに憑依していたわ。つまりこれが狭間へ至る門なのかもしれない。Hop, voilà, il s'est sauvé, c'est bon. Yana, omoide da ze. Sankret. Kore ga tankyū no tabiji no hate ni tadori tsuki shi kotae. Saha ginzoku wa fumetsu naru mono ni natta mono no闇のクリスタルを持っていなかった。だからリヴァイアさんに食われたってわけね。そうか。だったらアシエンを倒した時に魂のエーテルを逃さずリヴァイアさんのように吸い込んで捕獲してしまえば。ご名答。恐れ入ります。さすがヤシュトラ城、察しがいい。肉体失いし魂をエーテルの檻に捕らえ、エーテルの刃で砕く。さすればアシエンの魂も聖界に帰りましょう。アシエンの魂を逃すことなく捕らえ、さらにそのエーテルを粉々に打ち砕く巻なんて簡単には想像できないわ。でもきっと方法はあるはず。手がかりはつかんだもの。あとは実現に向けて進むだけよ。では私は早速これらの現象を人工的に起こすことができないか、シャーレアン本国の賢人と共に検討に入りましょう。ええ、よろしくお願いします。それとミーフィリア、バルデシオン委員会の件ですが、現在シャーレアン本国の調査団が現地に向かっています。じきに連絡が来るでしょう。不安な気持ちはわかりますが、今は待つべき時。祈りとともにお待ちを。ありがとう、ウリエンジェさん。
jingle de Fanquête qui casse l'ambiance directe. Yuuzhan. Ah oui, c'est le mec des Domiens, ça. C'est un des réfugiés Domiens. Je me trompe pas. Ah mais oui, c'est le gosse. Sympa le copain. Et de pas trop les décevoir. Thank you.
J'ai trop bouffé tout à l'heure, je pense. Ah mais c'est une instance de mission, je peux pas lancer une instance de mission alors que je suis en recherche de mission. Aïe aïe aïe, coup dur. Du coup, retournons à notre bidouillage de la classe de mage rouge. Alors, où qu'on en était ? Où qu'on en était ? On en était à foutre les attaques de zone ensemble. Le fait est qu'il n'a pas des masses non plus, quoi. Là, faut qu'on mette le compagnon à la monture. Là, là, c'est quand même plus pratique. Stoïcisme, rêve lucide, c'est bien aussi. Là, peut-être plus mettre ça en vrai. Après, engagement, déplacement, corps à corps. Bon, ils sont tous réunis ici, c'est pas plus mal. Faut qu'on foute la transcendance aussi là. Donc on a juste viré sommeil hein, globalement. Et dans les actions, riposte, dédoublement, ça on a. À coup. On l'a aussi, parpillement on l'a, les verts on les a, vert feu, vert terre on les a. C'est bon. Ok, on a tout mis. Bon, ah, il faut juste qu'on déplace aussi le truc de la TH. Qui est là. Hop, 60. Simplifier l'interface. Ouais, non, elle est jolie comme le truc. Voilà, réduire. Ah, autre chadrin quand même. Non. Ça m'a l'air correct. Ouais, presque. Oh. Ouais. Ah non, mais après, ça va faire chier avec le reste qui est au-dessus. Je me disais, au pire, on peut le foutre là, comme ça. C'est comique, ça. C'est comique. T'aurais dû le dire en plus. T'aurais dit que ça venait pas de moi, le problème. Si t'avais dit que tu m'entendais plus. Ah, c'est un peu gros, mais. Mais ça le fait. Après, le problème, c'est que dès qu'on est là-dessus, on voit plus les valeurs. Oh, ça peut le faire. Allons se faire 2-3 ennemis pour voir. Pas d'ennemis dans le coin, c'est quoi cette blague? Ah là. Cobra des lacs. Alors, on a le coup d'épée. Classique. Il combine avec ça. Il combine avec ça. Ok. Ensuite, on a ça, qui est un sort, donc il prend un temps de chargement. Y'a rien qui combo avec ça, ok. Ensuite, on peut lancer vers foudre. On peut lancer vers feu éventuellement derrière, comme ça, ok.
On a vert vent qui permet avec un peu de chance de lancer vert terre d'affilée. Il y a écrit la chance. Ah, c'est une chance sur deux quand même, 50%, ça va. Alors là, faut juste qu'on change de classe, hop, pour la mission, c'est parti. Faut vraiment essayer de redonner une chance à Mage Rouge, parce que ça a l'air sympa quand même. On verra ce qu'on en fait de cette classe. Ah, il a l'air bonne vibe le donjon. Il a l'air bonne vibe. Ah, Eludianak. Excuse-moi pour hier, j'ai vu ton message trop tard. C'est tellement fatigué et concentré dans le raid que j'ai pas fait gaffe à ton message. Désolé. Ah ouais? Ah ouais, effectivement. Je viens de m'en bouffer un. Diana, effectivement, c'est plus propre. Diana, que c'est pas très joli, effectivement, comme raccourci. Ah merde, t'as encore des saloperies debout là. On a le chat qui fait de la merde. Ce donjon, j'ai dû le faire typiquement une seule fois sur mon avec mon main et puis plus jamais après, je pense. Tu le vois, je suis passé samouraï. J'ai laissé tomber la classe de barde. Ça me passionnait pas du tout. Ah bah j'aurais essayé au moins, hein. J'aurais essayé mais... J'accroche pas. J'ai vraiment pas réussi à accrocher. Alors que Samouraï, pour le coup, j'aime beaucoup. Je vais sûrement redonner une chance à Mage Rouge aussi, parce que j'avais essayé vite fait sur mon main et j'avais pas aimé. Enfin, pas trop aimé. Là, je vais leur donner une chance pour voir. Bien ce que ça donne.
Ça me fait toujours rire les tanks là, la fait là. Je veux dire que c'est un petit machin comme ça qui prend tous les dégâts dans la tronche. Alors que ça irait tellement mieux avoir un Rodgar ou un Rogadin. Porte cachée. Ouais, il est pas très caché, c'est une énorme une énorme stèle magique à côté, c'est pas très caché quoi. Pourquoi il y a le pourquoi il y a l'avocateur qui se balade tout seul là? On m'explique ou... Qu'est-ce qu'il branle? Il veut prendre toute la map ou ça se passe comment Ach nein! Ach, c'est traurig! Est-ce que je me re-TP ou... Un seul talisman? Soit le pavois draconique... Soit le talisman de la tortue à deux têtes. Soit le talisman de l'arbre plus 2 que tu trouves dans l'Aindel en cendre. Mais surtout les deux premiers. Bah c'est sûr que si tu joues magicien, le talisman de la tortue de tête il te sert à rien mais... On est bien d'accord mais... Le dernier je parlais du talisman de l'arbre plus 2. C'est le talisman que tu trouves dans la Lindell en cendre une fois que t'as brûlé l'arbre. On est passé 57 ou 58, je sais plus. Ah mais il n'y a que le niveau synchro qui est affiché là je crois. Puis si on est 57 ou 58. 57 je crois. Ba-da-da-da-dum. Je vois pas quel talisman c'est un talisman qui augmente la vie, l'endurance et le poids que tu peux porter.
Il est tout doré comme ça. On dirait une statue de Marika, je crois. Si je me rappelle bien. Très pratique comme petit talisman. Un peu tout en un comme ça. Sûrement. Sûrement un blast comme ça, ouais. C'est vrai que vu que je joue en anglais, comme tu le sais, les blasts des objets, je les ai pas forcément en tête. Hein. Pour les armes? Non mais pour les armes, c'est pas possible. Pas possible de faire un choix pour les armes. Hein. Faudrait à la limite une par catégorie d'armes quoi, mais... Grand minimum quoi. Bah non, je ne connais pas toutes les catégories d'armes, je connais pas toutes les armes non plus, donc... Encore un poulpe. Ce serait pas le même que dans ta... C'est quoi le développement du donjon? C'est Satacha, je crois. Ah mais ça revient au même, c'est beaucoup trop large. C'est beaucoup trop large. Ah mais c'est le boss de fin déjà. Bravo. Comme je te dis, c'est beaucoup trop large comme catégorie. La caméra qui a décidé de faire de la merde, on sait pas trop pourquoi. Elle s'est pris pour un jeu From Software, la caméra d'un coup. Elle a décidé de faire de la merde. What? Ça fait trop de choses dans ce donjon là. Hein? De quoi tu parles? Autant l'hippopotame je vois, autant le lion je vois pas de quoi tu parles. Hein. La cam. Non non mais... Là je parlais de FF14, là la caméra c'est de la merde dans FF14. Ah merde, le gros laser, le gros jeu d'eau il tue. Ah merde. C'est pas écrit dessus en même temps. Il n'y a pas de lion dans Elden Ring. Enfin, le seul lion qu'il y a, c'est le lion de Godfrey, mais c'est pas un ennemi sur le terrain, quoi, le lion.
Ah oui, oui, oui. Enfin, c'est juste que vu que ça n'a pas une tête de lion, mon cerveau il a bugué, mais oui, effectivement, oui. Bah, l'hippopotame, ça va encore, c'est juste qu'elle bouge beaucoup, mais ça va. Alors que le lion dansant, bon, c'est un vrai bordel, quoi. Non, mais quand tu me parles de lion, c'est pas ça que j'imagine, tu vois. Quand tu me parles d'un lion, je vois un lion. Je vois pas... Je vois pas un masque de lion chinois sur des gens, quoi. De manière assez évidente. Alors, j'ai profité que... Profiter que le groupe est pas là encore pour aller ouvrir ma fenêtre, je reviens. Ah mais il a plu cette nuit donc. Il a plu. Il a pleuvu. Bah l'hippopotame il te bloque dans les murs si tu... Bah si tu te laisses coincer dans les murs en fait, globalement. Par contre le reste du groupe il fait quoi? Il se touche la nouille ou comment ça se passe? Be right back RQ? RQ? RQ. C'est quoi ça, RQ? Oh, les anglais, le raccourci. RQ? Il n'y a rien du tout, RQ. RQ, RQ. Du coup, moi, je vais aller me chercher à boire, hein. Vu qu'ils n'ont pas l'air de vouloir faire le donjon. Je vais me chercher à boire, je reviens. Vu comme je suis chanceux en ce moment avec les donjons, je m'étais dit que même en faisant vite avec ma chance de dingue, ils seraient déjà tous de retour en train de m'attendre comme des cons, mais non. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il fait? Il se tape une branlette ou ça se passe comment Configuration système, manette. Regardons 2-3 trucs. Non, c'est pas là-dedans. C'est là-dedans. Tu dis pas be right back si tu rage quitte en fait. Ça n'a pas de sens. Tu vas me dire les gens des fois. Bon. Ça, oui, on active.
Ok, il est revenu. Bon. Les dégâts. On en parle des dégâts du bonhomme ou... Ça, je devrais peut-être rester avec eux aussi. Hein. Ça peut être une bonne idée. C'est vrai que de devoir jongler avec les... Ah, ta mère, pourquoi je suis paralysé comme ça? De devoir jongler avec les plateformes, c'est pas évident. Bah ça va aller pépère On m'envoie à l'autre bout de la map là, tranquillou. C'est quoi le caillou vert en fait? Parce que lui du coup il devrait changer de zone là. Quoi c'est tout? Ah mais en fait il est basique le boss. Une fois que tu sais qu'il faut juste changer de plateforme quand t'as le caillou vert, il est aux F. Bah, c'est la tenue de base, hein, c'est la tenue de d'Evira, hein, écoute. Hein, tant que j'aurais pas une armure plus jolie, je garderais celle-là. Avec des armures jolies au début du jeu, c'est un peu compliqué. Ah, même à l'hôtel des ventes. Des jolies tenues, j'ai regardé vite fait la dernière fois, il n'y a pas grand chose. Hein. En tout cas, à ce niveau-là. Que je voulais faire. Ah oui, la quête de l'autre. C'est assez exigeant au niveau tenue. En général, à part les tenues de job, il n'y a pas des masques qui me plaisent.
Ils sont choupis, ces gosses. On va te mettre une branlée. Bah, qu'est-ce que ça? Il est au sol. Cool, tenez le cultivé. Tellement pas le poids. Le pauvre. Hein. Enfin, les pauvres en l'occurrence du coup. Quelle rencontre! Quelle rencontre! Le mec, on l'avait juste vu tout muet dans une caravane avant, et puis là, il vient nous voir avec sa sœur en mode coucou! C'est pas qu'on est, mais on vient de causer. On t'explique l'histoire de Orzea, tranquillou. Voilà. Alfino là. Va bien grandir avec les extensions. Comment il les a... Comment c'était le nom d'organisation qu'il va créer déjà? C'est les quelque chose de cristal. Ouais, déjà.
Il y a quelque chose de cristal, je sais plus ce que c'est. Les guerriers. Bah les sages. Il fait tellement petit à Alfino à côté de moi, c'est bizarre. En plus, avec la profondeur de caméra, t'as vraiment l'impression que c'est un nain, quoi. C'est les braves! C'est les braves de cristal. En fait, j'ai vu le verbe braver, là. Et ça m'est revenu, c'est les Braves de Cristal, je crois, le nom de l'organisation qu'il va créer. Il me semble que c'est ça. Rendez-vous, bastingage. Ah, il est 5h30. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Ah ouais, le temps est passé vite sur la deuxième partie du live, là. Ah bah du coup, on va s'arrêter là, je pense, hein. Ah ouais, 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 j'avais pas fait gaffe. J'avons pas fait gaffe. Il y a une quête à finir ici? Comment ça? Il y a quoi à finir? Ah bah oui, là, le trésor caché de Crève-Karen, effectivement. Crève-Karen, quel nom quand même. Crève-Karen, crève! D'une violence. Où qu'elle est là. Où qu'il est celui-là? Carte, trésor caché de Crève-Karen, ça doit être en dessous, j'ai l'impression. Yes. On va aller finir ça. On va se retaper devant les Térites. Et on va s'arrêter là. Ah, on aura bien avancé aujourd'hui. Là, ça fait 8h15 que je suis en live. Oh la vache. Bon, avec une pause de 40 minutes au milieu, mais quand même. Où qui sont? Il n'y a rien en dessous. Là. Ah si, c'est bon, j'ai. Ah bah oui, bah après c'est... En général, 10 minutes, un quart d'heure, c'est le temps qu'il faut pour trouver une mission, quoi. Ah oui, deux fois deux désistements, ça fait mal quand même. Ça fait mal.
Bah, y a un raid d'alliance que j'ai fait aussi aujourd'hui où il y avait des... on a commencé avec des équipes incomplètes et ça a pas mal bougé pendant le donjon encore, enfin c'était relou. La quête de classe, je peux pas la finir pour l'instant parce qu'elle est Edgeguard. Et on a, vu qu'on n'est pas dans Evensward encore, on n'a pas accès à Edgeguard. Ouais, comme tu dis, RIP. Il y a son vieux casque dedans, je crois. Et voilà. Bah voilà. Voilà. On va juste se refoutre devant les territes pour faire joli. Et on va cesser là. Et donc on est niveau 57, hein. On les aura acquis à la sueur de notre front, ces 7 niveaux là. Bon, bah du coup YouTube, on a bien avancé aujourd'hui. On a fini la tour de la quête de la tour de cristal, on a bien avancé sur les quêtes principales, vraiment principales. On a battu Ramu. Et là, je me rappelle plus trop exactement de comment ça va se dérouler dans ce qui reste à faire jusqu'à Edgeguard, mais je sais plus ou moins comment ça va se finir de mémoire. Leur alerte pas très bien. Ah oui, faut que ça se termine mal pour que l'extension puisse commencer. C'est logique. Mais voilà, avec un peu de chance, peut-être qu'au prochain live, donc ce soir, on rentre dans Evensward si on a un peu de chance. Je sais pas, je me rends pas compte de ce qu'il reste à faire en termes de contenu transition entre le jeu de base et l'extension encore. J'ai du mal à... D'ailleurs, celle-là, on peut la cacher pour l'instant, vu qu'on peut pas la finir. Ouais, j'ai vraiment du mal à appréhender ce qu'il reste à faire, si c'est beaucoup, si c'est pas beaucoup, si c'est surtout beaucoup de blabla, ou est-ce qu'il y a vraiment de l'action encore, j'ai du mal à me rappeler. Et j'arrive pas à savoir en plus s'il n'y a pas aussi des souvenirs d'autres extensions plus tard qui se mélangent avec ce qui est censé arriver là. Bref, c'est un sacré bordel dans ma tête en termes de souvenirs. On verra bien. Mais sur ce YouTube, on se retrouve dans la prochaine VOD. Ciao.